place d'Hervé, il a 30 victoires, mais c'est un truc de dingue. Ça va Hervé? Ça va très bien. 30 victoires, 29 400 euros. C'est pas mal. Vous êtes parti pour battre des records de participation et de présence, puisque encore 120 victoires. Ouais, et... bah, c'est prévu, hein. Et vous en aurez 150. C'est bon, non? C'est prévu. Vous ouais. avez gagné hier un séjour pour deux sur l'île de la Réunion. Ouais. C'est pas mal. Oh, les jalouses. Ouais. Oh, les jalouses. Et il va tirer au sort celle qui va l'accompagner dans quelques instants. Ouais. Ça serait drôle, non, une tombola comme ça. C'est amusant. Ah, vous expliquez, vous rentrez, vous dites à Dominique, non, mais je t'assure. C'est ça, voilà. Tu sais, c'est la télé, tu sais ce que c'est, ils m'ont obligé. Ils m'ont obligé à partir avec une très jolie fille, voilà. Ouais. C'est pas grave. Vous voulez ma mort, vous? Oui, il y a une dame qui dit pourquoi très jolie. Ouais, très bien. Bravo. Le tirage au sort n'aura pas lieu, alors. Ouais, okay. C'est annulé. On annule tout. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Daphné, Laurent, Emmanuel, Serge, Lise, Arnaud et Ange. Soyez la bienvenue. Merci. Daphné, vous êtes professeur. Oui, professeur d'anglais. Et que d'anglais? C'est ça. On rajoute pas une matière en plus quelque part dans des noms, il n'y a pas de petits... Non, pas pour l'instant, non. Non, que l'anglais. Que l'anglais. Ouais, d'accord. Que l'anglais. L'anglais parlé, l'anglais écrit, l'anglais... Voilà. L'argot aussi est présent ou un pas? Un petit peu. On le fait un petit peu en quatrième, on essaie de commencer. C'est vrai à... ouais. Les jouer avec les I wanna à la place exemple, de I want to, exactement, c'est ça? Exactement, on voit les formes abrégées et puis ouais, le vocabulaire familier de tous les jours. Le quotidien. C'est ça. D'accord. Vous étiez bonne, vous, en anglais? J'étais assez bonne, oui. J'avais commencé par l'allemand et en fait... Je prêche Deutsch auch. Je prêche Deutsch auch, alors que c'est une langue très compliquée, l'allemand. C'est ça. Et puis je me suis dit qu'il y aurait peut-être moins de débouchés qu'en anglais, donc j'ai changé. Il n'y a que l'Allemagne et l'Autriche, parce que même en Suisse, ils ne veulent pas parler exactement le même allemand. Vous voyagez où? Alors vous allez quoi? Plutôt en Angleterre, aux États-Unis, oui, en Australie? Oui, alors Londres, très très souvent, voilà. Et puis pour mode voyage et noces, on est parti à New York. Bien. Et puis ensuite, vous êtes marié avec un anglais? Non, pas du tout. Avec un prof d'anglais? Non plus. Avec un américain? Avec un musicien qui chante en anglais? Qui est prof de musique. Et qui chante en anglais? Et qui chante en anglais. On s'est retrouvés à chanter en anglais d'ailleurs à New York. Ouais, vous le corrigez de temps en temps ou pas? Oui, il aime pas trop ça d'ailleurs. Oui, donc vous le faites, c'est ça. Donc vous le faites. Et il chante quoi? C'est quel genre de musique lui? Alors, il chante de tout, mais là en l'occurrence, quand on était à New York, on s'est retrouvés. À aller dans un club de jazz, voilà, on a visité tout New York, les musées, tout ça, et on s'est dit que l'étape obligée, c'était aussi d'aller dans un club de jazz. Et, ouais, et le chanteur donc, a commencé à faire son show et tout, et puis au bout d'un moment, il a dit « j'aurais besoin de volontaires pour venir chanter sur scène ». Et donc, on a dit « non, non, non ». Oh, les boulets, les Français en vacances, hein. Les boulets. Non, c'était votre c'était première fois à New York pour ce voyage de noces? Oui, tout à fait. Et donc, vous avez fait un vœu? Oui, alors ça c'était au Québec. En fait, on a fait une semaine à New York et 15 jours au Québec. À New York, vous avez fait un vœu ou pas? Non, c'est pas New York qu'on a fait un vœu, c'est. Mais ça, je m'en fous. Quand on fait une première fois, non, mais quand on fait un truc pour la première fois, on fait toujours un vœu, je sais pas, quand c'est la première fois qu'on rentre dans un endroit. La première fois que vous êtes monté à la Tour Eiffel, peut-être que vous avez fait un vœu. Non. Non. Moi, je sais, toutes les premières fois, je fais un vœu. Là, d'accord. Je fais un vœu, c'est la première fois que je vous parle. C'est des vœux. Eh, hey, il y en a bien un sur mille qui va passer. C'est vrai. Bon, alors vous n'avez pas de vœux à New York, mais... Mais à Québec, par contre, oui. En fait, il y a un très beau château à Québec qui s'appelle le château de Frontenac. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais qui est un hôtel. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, donc on l'a visité lors de notre voyage de noces. Et il y a un grand escalier, en fait, où il est de tradition de descendre... Il y a un escalier dans l'hôtel. C'est dingue, hein. Wow. Ouais. Nous aussi, ça nous a surpris. Et du coup, comme c'était fort. La première fois que je voyais un escalier dans un château, je me suis dit, faisons un vœu. Coquille. Et du coup, en fait, donc la tradition est que les hommes descendent d'un côté et les femmes de l'autre, en faisant un vœu, justement. Et donc moi j'ai fait un vœu. C'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Ah, parce que j'ai dit, ils m'ont absolument pas fait ce coup-là. Quand moi. On a fait la visite guidée, en fait, on nous a expliqué que la tradition c'était ça. Et donc mon vœu c'était la prochaine fois. J'aurais dû prendre, mais c'était plus cher la visite guidée en même temps. J'aurais dû prendre ça. Ouais. Et alors donc vous avez fait votre vœu. Ouais. Et du coup mon vœu c'était la prochaine fois que je reviendrai sur le continent américain, j'aimerais qu'on soit trois et plus deux.
et j'étais enceinte de ma fille quand on est retourné un an et demi plus tard. Ah, je croyais que vous venez avec un amant, je comprenais rien. Et ça a fonctionné. Très bien. Quel nom de fromage donne-t-on familièrement à un graphique rond divisé en secteurs? Un graphique rond divisé en secteurs, on lui donne un nom de fromage, lequel? Cache. Un camembert. Eh oui. En 66. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ça tombe bien après le voyage de noces, avouez. La ouais. Non-demande en mariage, par qui est-elle faite? Je voudrais pas me tromper, je vais demander carré, s'il vous plaît. Jacques Brel, Jean Ferrat, Georges Brassens, Léo Ferré. Brassens. Mais oui, monsieur Brassens. Laurent, comment ça va? Ça va, ça va. Soyez bienvenue, très bien, merci. Vous avez déjà observé notre champion un tout petit peu, il vous inquiète ou pas? Un petit peu quand même. Un petit peu. Bah, il fait peur quand même. Oh, au niveau de ses connaissances. Oh non. Hein. Non mais s'il vous fait peur, c'est que vous vous sentez inférieur à lui. Bah. Non mais vous voyez, quand on est supérieur, on n'a pas peur. Oui, tout à fait. Vous avez peur d'une fourmi? Non. Bah voilà. Vous avez peur de Godzilla? Oui. Voilà. Voilà. Donc le champion vous fait peur. Parce que vous dites. Je vais vous dire non. Ah, non, ne cherchez pas d'avis. Si, au niveau de ses connaissances, il fait quand même. Ah, seulement au niveau de ses connaissances. Je ne le connais pas assez personnellement que pour dire s'il me fait peur ou pas. Mais en tout cas, il vous est supérieur. Ça, physiquement, non, il vous... Non, mais il vous est supérieur. Ah bon? Eh oui, parce que dans la vie, vous êtes sous-chef de gare. Eh voilà, sous-chef de gare, alors que vous étiez chef de gare. Et déjà, il y a... Il y a ça, quoi, hein. Eh oui. Il y a ça. Mais moi, je suis sous-animateur. Dès que je vois un animateur, je suis super impressionné, vous voyez. Super impressionné. Mais on travaille pour... pour être chef de gare. Moi, je travaille pour être animateur. Bien sûr. Voilà. Ah ben, vous y arrivez. Je suis toujours en stage, là, d'ailleurs. Ça commence à être un peu long. Elle est où, votre gare? À Namur, en Belgique. Il y a des trains en Belgique aussi. Et ils sont tout aussi en retard qu'en France. Ah oui, c'est les mêmes, en fait. Vous avez croisé Jean Rochefort. C'était dans une gare, justement? Non. J'étais, en fait, chauffeur au Festival du film de Namur. Festival du film international. D'accord. Et une petite pige à côté du boulot, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour un hobby. J'adore le cinéma, donc. Et en fait, à la fin du festival, on nous demande aux chauffeurs de reconduire les vedettes à la gare, à l'aéroport ou éventuellement chez eux. Et donc moi, en fin de festival, on me demande de reconduire Jean Rochefort chez lui. Il habite à Namur? Non, il habite Paris. Mais ah. on fait la route. Namur-Paris? Oui, Namur-Paris, Namur n'importe où, à partir du moment où la demande de la vedette est comme ça. Si vous aviez Bruce Willis et le mec qui habite à Los Angeles, vous n'allez pas dire « Allez, Namur-Los Angeles en voiture, il n'y a pas de problème. » Il y a un moment où il y a des limites. Hein. Non, ce qui est... avec tout le respect que je dois à votre conduite, bien sûr, et c'est au sous-chef de gare que je m'adresse, bien sûr. Le train est plus sécure et... Oui, mais bon, certaines vedettes d'un certain standing, on préfère mettre une voiture plus confortable que le déposer... Pour pas qu'il se fasse embêter dans le train et tout ça? Exactement. D'accord, je exactement. Sais pas. Et donc on me demande de reconduire M. Jean Rochefort d'abord à Paris. Il devait en fait faire un travail sur le film d'Alain Chabat, le film R, dans lequel il jouait. Et ensuite, bon... Tout d'abord, comme c'était la fin du festival, je demande pour pouvoir prendre ma compagne avec moi, vu la fatigue après une semaine de festival, ce qu'on m'accorde. Donc on part tous les deux. Jean, ça t'embête pas si ma femme et les enfants viennent, parce qu'on va faire un petit tour à Paris, hein? Absolument. On va prendre la caravane, on va la mettre au cul de la voiture, hein, ça sera plus sympa. Mais... Et là, bon... Évidemment, votre grand-mère a voulu participer aussi, je comprends. Pendant tout le voyage, elle a pris des photos de Jean Rochefort qui mangeait son sandwich à l'arrière de la voiture. Non, à partir du moment où j'ai posé la question, à Jean Rochefort qui a tout de suite accepté. Donc... Il a accepté sur présentation de photos de votre femme ou... Elle était avec moi, quand je lui ai posé la question. D'accord. Et donc, nous voilà partis en route pour Paris. On le dépose à son petit entretien avec Alain Chabat et il nous dit, bon, ben, laissez-moi là, je repartirai par mes propres moyens. J'ai dit non, pas du tout. Moi, je suis là pour vous reconduire chez vous. Ah oui, on va vivre ensemble maintenant. Je reste avec vous. Hein. Ah, je suis chauffeur à vie, moi. Ah non, hop, on part pas, monsieur Jean Rochefort, là. Vous croyez pas si bien dit. Je vais attendre le festival de Cannes au mois de mai et je vous descendrai Paris-Cannes, 9h en bagnole. Et donc, après son rendez-vous avec Alain Chabat, on le reprend et on part pour
sa résidence dans le sud de Paris. Dans, non, non, dans mais une je ne connais pas l'adresse, j'en veux. Non, 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 bien sûr, je ne saurais même plus vous la donner, je ne me rappelle plus. Évidemment, c'est où? Dans une forêt. Respectons. Voilà. Et il nous dit, ben donc, je vais téléphoner à mon épouse pour nous préparer un repas pour vous et moi. Donc on est arrivé. Ça m'énerve, moi, les vedettes qui sont classes comme ça. Ah, franchement. Ça m'énerve. C'est un monsieur ça charmant. Ça m'énerve, parce que moi, le prochain Belge qui va me raccompagner, je vais être obligé de l'inviter aussi. Parce que... non, non, non. Mais c'est ça, ça m'énerve, ça met une pression de gentillesse. Et donc, un monsieur charmant, vraiment, un rire communicatif, vraiment comme on le voit de la télévision. Il est vraiment pareil. Ouais, mais l'élégance, ouais, il est classe. Ouais. Très... Ouais, vraiment très élégant. Ouais. Et on est arrivé chez lui, sa femme nous a accueillis. Adorable. On a dîné sur la terrasse avec lui et sa femme. En plein mois de janvier. Non, non, c'était au mois de septembre. Au mois de septembre. Donc, il nous a fait visiter sa propriété, ses écuries, avec tous ses chevaux. Et on a passé une après-midi avec lui et sa femme en nous racontant des anecdotes. Il nous a même pas demandé de débarrasser la table, de faire la vaisselle ou un truc comme ça? Non, non. Hein? Non, non. Il nous a même proposé de dormir là. Quoi? Ok, vous avez. Il nous a dit on a une chambre, retournez. Jean Rochefort est échangiste. Voilà. Sur quelle île le volcan nommé Etna est-il situé? L'Etna cache la Sicile. Très bien. 1969, quel café-théâtre Coluche a-t-il créé avec entre autres Patrick Devers ou Miu Miu encore? Et Romain Bouteille et autres. Je vous ai demandé un carré. Le café de la gare, le point virgule, le splendide ou les blancs manteaux? Le point virgule. Ah non, c'est pas loin, c'est le café de la gare, ouais. C'est pas loin. Et Emmanuel, ça va bien. Alors, ça parle pas à une grande partie des plus jeunes, en tout cas, mais Emmanuel, ça a été un prénom qui n'a pas dû être simple à porter pour une aussi jolie fille comme vous. Surtout lorsque vous baladez dans la rue et que vous voyez votre prénom écrit sur les affiches. Oui, mais bon, ça doit faire bizarre, parce que moi, j'ai pas encore vu un film de boule avec Nagui, donc je sais pas comment... Non, si, c'est flatteur. Non, ça va être étrange, non? Oui, c'est étrange, mais bon, j'ai tellement l'habitude que non, c'est flatteur. C'est flatteur, ah, oui. C'est-à-dire que votre prénom soit assimilé à quelque chose oui, de sensuel, d'érotique. Oui. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Dès que je dis mon prénom, effectivement, c'est ça. Oui, enfin, votre prénom, on vous l'a donné avant que le film... Oui. C'est pas suite non, au film. Non, 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 on me l'a donné avant. Parce qu'encore une fois, vous étiez, je dis, gamine, toute oui, jeunette. Oui, oui, tout sorti. À fait. Mineure même quand c'est sorti. Oui, quand même. Merci. Voilà. Mais non, mais je vous en prie. Je me rendais bien compte que là, j'étais de moins en moins élégant. Vous êtes retrouvée à Saint-Tropez. Oui, avec une amie. En vacances ou non, non, puisque j'habite Draguignan, je ne suis pas très loin. Ouais, donc, c'est une virée alors. Tout à fait, ouais. On est allé se promener, puis une envie pressante nous prend. Donc, et souvent, les filles, elles y vont à deux. Eh oui, effectivement. Expliquez-moi pourquoi les filles vont à deux aux toilettes. Ben, on aime bien se tenir compagnie. Oui, mais ça ne vous gêne pas pour parler, par exemple? Non, non, pas du tout. On continue le fil de la conversation en même temps, bien sûr. Mais il n'y a pas même des mots... Moment où... Ah non, non, là, c'était juste... Non, là, c'était la petite commission. Donc, ça va. Non, mais... Je le dis souvent, j'ai jamais eu un pote, et je suis pas tout jeune, hein, j'ai jamais eu un pote qui, dans la vie, m'a dit « Hey, j'ai aux toilettes, tu viens ?» Jamais. 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 Non, c'est très oui, bizarre. Oui, oui. Et après, on peut faire connaissance, nous, parce qu'on a les, oui, les urinoirs. Donc on est côte à côte, on est rarement face à face. Hein, oui, mais on est comme ça, on est un peu comme vous. Quoi. Voilà, pareil. On est un peu comme vous. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut se mettre à discuter avec l'autre. Mmh. Ça peut arriver. Voilà. Mais non, nous, on rentre à deux. On aime bien. Vous rentrez à deux. Mmh, vous papotez, vous machin. On papote, voilà. Donc là, vous rentrez à deux dans des toilettes. Ben, on va pour rentrer dans les toilettes. Et la dame qui sort nous tient la porte. Donc on ne met pas deux pièces pour rentrer. C'est des trottoirs payants dans la rue. Pardon, oui, voilà. Voilà. Okay. Mais c'est des grandes toilettes à Saint-Tropez. Hein. Ce n'est pas les petites Sanisettes. Ah bah, si Saint-Tropez. Ah bah oui. Ah si Saint-Tropez. Eh oui. Les toilettes en marbre avec les robinets en or. Non, quand même pas. Ah bon. Donc on rentre, on ferme la porte. Moi, donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Mon ami attend et mon ami à son tour fait. Et au moment où mon ami commence à faire la petite commission, je sens des jets d'eau qui sortent de partout. Vous... Oui. Elle avait très envie ou... Ben, elle pouvait plus se retenir. C'est parti, c'était d'accord. Parti. Non, mais les jets d'eau, c'était pas elle. Non. Ah bon, d'accord. Je comprenais plus ce qui se passait dans la scène. En fait, vous aviez changé le cycle
De la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme. Et ben voilà, le fait de ne pas avoir remis de pièces, ouais. Le lavage s'est fait quand on était dedans. Dedans. Léger en haut, léger en bas, de partout, de partout. Ah ben ça, c'est les toilettes japonais qui font ça, léger en bas. Il ben, y avait en bas aussi, non mais pas en bas comme oui, ça. Là. Au moins, vous pouvez vous dire, ça fonctionne, il nettoie, il désinfecte entre chaque client. Voilà. Ouais. Alors, donc, vite, vite, on se dépêche. On veut pour ressortir. La lumière s'éteint, on se retrouve dans le noir complet. Mais vous n'étiez pas deux. Mais si, on était deux, mais dans le noir complet, toutes les deux. Si, on était deux. Je croyais que vous l'attendiez dehors. Ah non, à l'intérieur, on était rentrées toutes les deux dedans. On se tient compagnie à l'intérieur, pas dedans. Et oui. Non, non, je m'étais... Non. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. C'est pas possible. Pourquoi vous l'avez pas attendu dehors? Mais parce que c'était grand, on voulait rentrer à deux. Au moins, on s'est dit, ça va plus vite, on se dépêche et tout. Non, mais oui, si on est rentré à deux. On s'est tourné quand même. Mais... Pendant qu'une était assise, l'hôtel s'est tourné quand même. Oh, bah, super pratique, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on veut quand même sortir de ces toilettes. Les filles, vous avez une vie bizarre, hein, je vous le dis. Hein. Laurent, vous êtes déjà allé dans des toilettes avec un... Jamais. Jamais. Même avec une femme, non plus. Hein. Jamais. Je me tais, ok. Alors, aux Jeux Olympiques, combien de sports se disputent avec une raquette? Cache. Deux. Lesquels? J'aurais dit badminton et le tennis. Et le tennis de table? Ah, mince. Il y en a trois, donc. Qui chante en 1980? Karen Nagy. Bob Marley, James Brown, Lionel Richie ou Stevie Wonder? Stevie Wonder. Vous pouvez aller aux toilettes avec lui, par exemple. Oui, absolument. Monsieur Serge est là, comment ça va? Vous avez monté votre boîte, oui. Vous avez changé de carrière, vous avez trouvé un autre métier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle? Mais il y a 10 ans, je ne voulais plus de patron, et donc j'ai dit... Vous étiez dans quel domaine? Je travaillais dans multidomaine, hein, j'ai fait... Multidomaine? Oui, j'ai fait tous les métiers du monde. Mais quoi, bâtiment? J'ai fait de tout, de la peinture, du bâtiment, des assurances, j'ai fait, je sais plus tellement j'en ai fait, serveur dans des bars, j'ai fait... Et alors une question, quand on fait autant de boulot, oui, est-ce qu'on les fait tous bien? Parce que finalement, on a une expérience professionnelle dans chaque domaine et où on apprend, par exemple, la politesse, le service, quand on est en relation avec une clientèle, et ça sert quand ensuite on fait de la peinture à faire des devis ou à vendre son savoir-faire. Est-ce que ça aide ou au contraire, on finit par se mélanger un tout petit peu les pinceaux quand on est peintre et... Elle n'était pas là, la vanne. Attends, d'accord. En fait, tous les métiers servent à quelque chose. Et celui qui m'a servi le plus, c'est de taper aux portes à l'époque pour vendre des assurances. D'oser aller vers le client. Et pouvoir vous parler aujourd'hui. Sinon, j'aurais pas pu il y a quelques années. Vous étiez trop timide. Trop timide. Oh, choupinou. Si, c'est vrai. Moi aussi, un gros garçon. Oui, oui. Ça, j'aime. Moi, gros garçon. J'étais un gros timide. C'est vrai? Ouais. Je me suis soigné. Ah, je me suis soigné, oui. Maintenant, vous êtes moins timide. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Vous voulez qu'on aille aux toilettes? Non, j'ai pas envie d'être sainte. Et alors là... Et alors là, vous avez monté une boîte de quoi alors? Et là, je fais tout ce qui est antenne, interphone. Antenne, donc, tout ce qui est. Voilà. Donc, mais là, pour la télé? Voilà, donc si vous êtes connu, c'est grâce à moi. Quelque part. Ah oui. J'avais mis en réserve celle-là. Alors, Gustave Eiffel a beaucoup fait pour l'émetteur de la Tour Eiffel quand même, hein, parce que sans lui, on ne pourrait pas émettre. Mais c'est mais ça, oui. vous captez les c'est images. C'est ça, par je mets les antennes sur les toits, TNT, des maisons, tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et pardon, quel rapport avec l'interphone Et les interphones, ça fait partie du courant faible, donc je mets des interphones aussi. Voilà. D'accord. Des alarmes aussi? Non, pas d'alarme. Et pourquoi? Et parce qu'on vous appelait jour et nuit, pour ça marche pas, parce qu'il y a le vent qui l'a déclenché, etc. Ça m'a jamais intéressé. Ah, vous voulez dormir, vous, en fait? Moi, je veux la Cherchez paix. Cherchez pas des... Je veux la paix. Voilà.
Quelle série de bande dessinée raconte les aventures du caporal Blutch et du sergent Chesterfield? Blutch et Chesterfield, dans quelle série? Carré. Les passagers du vent, McCoy, les tuniques bleues ou Blueberry? Blueberry. Tunique bleue. Quel guitariste gitan disparu en 2014 portait un nom signifiant littéralement « petite main d'argent » ? Cash. Manita de plata. Yeah, yeah. Hey, hey, hey. Aquí, aquí. Tout le monde n'a pas de sang gitan, hein, on est d'accord. Au niveau du tempo dans la salle, Lise est là, ça va la belle. C'est bien, comme Emmanuel, vous portez un prénom aussi qui a sa part d'érotisme au cinéma. En fait, j'ai vu des films avec tous les prénoms de filles, c'est pour ça que je... je ok, d'accord, on ne sait pas. On regarde pas les mêmes films, peut-être. Vous regardez quoi comme film, vous? Bah, pas de film de boule, comme vous dites. Et les films avec des parties de pétanque, la partie avec les pagnoles, tout ça, c'est vachement bien, non? Mais non. Mais quel est le dernier film que vous avez vu? Juste pour voir si je l'ai vu. Les Inconnus, le retour. Mais quand il est passé à la télé. Le 3, Les Inconnus, le 3. Les trois frères, pardon. Je m'en mourrai. Les Inconnus, les trois, le retour des frères à la télé. Ok? Vous avez compris? J'ai compris, je l'ai vu aussi, oui. Ouais, c'est le film le plus récent que vous ayez vu. Bah, vous êtes, le dernier en date, en fait, pendant les vacances, je l'ai vu quand il est passé sur une chaîne privée. Alors, pardon, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma. Ah pardon. Non. La démarche, j'allais dans une salle, de regarder, comme disait Godard, de lever la tête pour voir l'image et pas de baisser, parce qu'il dit, la télé, on baisse les yeux pour regarder la télé, alors qu'au cinéma, on lève la tête, ça grandit. Ça fait un petit moment, je pourrais pas. Vous n'êtes pas allé au cinéma? Ouais. Personne ne vous invite au cinéma? Et non. Non? J'aimerais bien qu'on y aille ensemble. C'est vrai? Vous faites quoi après? Mais... Vous avez dit qu'on ne regardait pas les mêmes films. Je peux faire un effort, hein. C'est surtout moi qui vais suivre vos conseils. Non, mais il y a plein de films qui sont intéressants. Les Souvenirs, par exemple, le film de Jean-Paul Rouve avec Michel Blanc, c'est un très beau film. Qui sort là, vous l'avez pas vu? Non. C'est l'adaptation du roman de David Foenkinos. Alors, le dernier livre que vous ayez lu? Le dernier livre que j'ai lu, bah, c'est un livre en anglais, parce que moi aussi, je veux devenir professeur d'anglais. Ah, très bien. Voilà. Et c'est quoi? Comme Daphné. Le dernier que j'ai lu... Le Bottin de Londres. Non. J'ai relu le journal de Sylvia Plath. C'est mon auteur préféré, enfin, voilà. J'ai relu son journal intime. Ok. Voilà. Très bien. Là, je ne peux pas en parler, je ne l'ai pas vu. Vous me le recommandez? Oui. Pourquoi? Il y a quoi de bien dedans? Il faut aimer les confessions de jeunes femmes torturées. Donc, ça peut vous plaire. Si vous commencez à m'exciter, Lise, il y a un moment où... Ça va pas être possible, hein? Ça va pas être possible. Quelle race de petit... On est d'accord, vous m'avez branché, donc pour qu'on aille au cinéma ensemble, alors que vous êtes amoureuse de Richard et qu'il risque de mal le prendre, hein? On est OK. Bah, c'était juste pour aller au cinéma. Ah, parce que vous me connaissez pas. Faut pas m'emmener. Mais vous pouvez amener votre femme, et moi j'emmène Richard. Et on va chez Jean Rochefort et... Vous êtes des gros pervers, vous, quand même, hein. Quelle race de petits chiens porte le nom d'une ville du Mexique? Cash, Chihuahua. Très bien, Chihuahua. Chihuahua. Dans les années 2000, qui a été le premier animateur du jeu La Cible sur France 2? Carré. Thierry Beccaro, Olivier Mine, Patrice Lafont ou Laurent Romeschko? Patrice Lafont. Ah non, La Cible, ça a été Marie-Ange Nardi, mais avant, c'était Olivier Mine. Que vous retrouvez tout à l'heure pour... On n'applaudit pas, c'est trompé. Vous disiez quoi? Qu'on retrouve tout à l'heure pour Pyramide. Arlo, ça va? Ça va, super. Tout à l'heure, c'est à 18h sur France 2, toujours à... Je dis tout à l'heure, non, c'est du lundi au vendredi, voilà. Arlo, vous créez une entreprise? C'est ça, bah, je fais aussi une entreprise. La même démarche que Serge? Exactement. Sur les antennes aussi? Non. Moi, c'est... Il y a trop de clients, lui. Non, moi, c'est tout autre chose, c'est de la mode féminine, du prêt-à-porter. Waouh! Ah, d'accord. Donc vous étiez... Mais non, je dessine pas. Hein. Enfin, j'ai deux associés qui dessinent très bien et moi je m'occupe de tout ce qu'il y a derrière qu'on n'aime pas forcément faire. C'est-à-dire que vous êtes le businessman de deux créateurs? Ouais, plus ou moins. Enfin,
Oui, c'est, enfin, disons ça comme ça. Non, mais ça, le taf, ouais, par le exemple, taf, de gérer les entrées et les sorties exactement, d'argent, de faire la compta et tout ça, ça d'aller c'est votre boulot. D'aller voir le banquier, d'aller faire tout, remplir les papiers, les déclarations de TVA, c'est, ce sera pour moi, oui. D'accord. Est-ce que là, l'humeur actuelle des banquiers, justement, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs? C'est variable, en fait, parce que, en gros, tant qu'on ne demande pas de fonds, c'est super. Mais pourquoi vous allez voir si vous ne demandez pas d'argent? Non, puisque, enfin, justement, pour se lancer, on a essayé de partir le plus autofinancé possible. Donc, du coup, pour sans le faire moment, de crédit? Non, on a essayé, au moins, pour se lancer, pour qu'on confronte, ce qu'on fait au marché, puisque ce serait dommage de... C'est courageux, quand même, ouais. C'est courageux. Bah, enfin. Parce que le réflexe de plein d'entrepreneurs, c'est de jouer avec la dette. Aussi. Oui, c'est sûr. C'est de s'endetter. Non, mais là, le truc, c'est qu'on peut se le permettre parce qu'on a, on est parti pour essayer de ne pas trop produire. Donc du coup, c'est vraiment des pré-collections qu'on va présenter. Et puis par la suite... Vous ne voulez pas trop produire parce que vous ne voulez pas trop gagner d'argent non plus. C'est ça, c'est, très, c'est bien comme des... c'est humble. On ne veut pas, on veut faire un truc. Piano, piano. Alors comment on peut définir le style de ce que vous créez pour les femmes? C'est un style assez minimal. Enfin, c'est un peu dans le genre... En termes de quantité de tissu ou en termes de forme? Non, en termes de forme. C'est vraiment des formes très simples. Enfin... qui sont assez inspirés d'artistes comme Brancusi, enfin vraiment des choses très très simples, très faciles à porter. Des basiques. Des basiques avec très peu de pièces dans la collection, enfin qu'il y en ait 4, 5, mais qui soient très impactantes quoi. Ah oui. Ah, c'est très peu de pièces. Oui, c'est très peu de pièces. Mais donc vous ne faites pas d'économie de fabrication non plus, si vous en faites si peu. Enfin, c'est 5 modèles et par la suite, on va essayer... Créer à des milliards d'exemplaires, d'accord. Fabriqués en France ou pas? Bien sûr, enfin, fabriqués en France. Et l'idée, c'est que les matières viennent le plus près possible de France. En gros, on n'est pas dans l'idée du Made in France absolument, mais si la laine doit être la meilleure en Irlande, bah, qu'elle vienne d'Irlande. Mais pourvu que ça reste en Europe, ou en tout cas ouais, proche de la France. Très bien, très bonne démarche, bon courage Arlo. Quel groupe a chanté en 95? Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais... Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Bah, Cash, Nayi, NTM. Très bien. À quel dieu grec le dieu romain Neptune est-il assimilé? Vous savez, les noms des dieux ne sont pas les mêmes chez les romains et chez les grecs. Donc Neptune correspond à quel dieu grec? Cash, Poséidon. Et nous saluons la petite sirène qui nous regarde aussi régulièrement. Oui, bien joué Poséidon. Parfait. Et voici le champion. Et 29 400 euros. Arlo et Daphné sont forcément qualifiés. Emmanuel, malheureusement, est forcément éliminé. Mais Laurent, Serge et Lise ont tous 5 points. Ils sont 3 à avoir 5 points. Il n'y a que 2 places. À qui dites-vous au revoir? Je sais que c'est désagréable. Oui, c'est très désagréable. Mais c'est la politesse de dire au revoir. Eh bien, au revoir, Serge. À bientôt, Serge. Lise, Laurent, Daphné et Arlo sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Face à l'océan, découvrez le nouveau spot bien-être de la Côte Basque, l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Serge Blanco, pour que l'espace d'un instant, le temps s'arrête. Voici la question pour vous qui êtes... D'après ce que chante le couple Sheila et l'autre idiot en 73, où faut-il laisser les gondoles? Laisse les gondoles 1 au garage ou 2 à Venise. 3243, c'est au téléphone. 7-10-20 par SMS. Vous répondez correctement. 29 400 euros. C'est aujourd'hui que le champion part. Vous aurez, par tirage au sort, exactement la même cagnotte que lui. Et je le précise parce que certains vicieux de la télévision disent « Ah, appelez, vous gagnerez la... Vous aussi, vous gagnerez avec le champion. » Sous-entendu, vous partagez. Non, partagez pas. Il a 29 400, vous avez 29 400. Quel couple star du hip-hop chante en 2002 ? Est-ce Jay-Z et Beyoncé ou Justin Timberlake et Britney Spears ? Qui venez-vous d'entendre ? Oui, parfait, Jay-Z et Beyoncé. Parfait.
On est dans le duo 69 années érotiques avec Serge Gainsbourg. Mais que chante dans cette chanson Jane Birkin? Elle chante les couplets ou le refrain? Le refrain pour tout le monde, sauf Laurent qui dit les couplets. Le refrain? Elle chante le refrain, oui. La preuve. 69. Dans le film Un jour sans fin, alors on comprend que c'est toujours le même jour qui est vécu par le héros parce que systématiquement le radio réveille, la musique se met en route à la même heure avec cette même musique de Sonny and Cher et le même animateur qui dit la même phrase. Mais quelle phrase sur cette musique? Il dit « On se lève les marmottes ou debout les campeurs ». C'est Bill Murray, le comédien, qui entend à la radio « I got you, babe » de Sonny and Cher et « On se lève les marmottes » pour tout le monde. Bien joué, c'était « Debout les campeurs ». Écoutez les phrases, j'ai bien joué, c'était « Debout les campeurs ». Voilà, c'est pas... Mais rendormez-vous, je vous fascine pour la prochaine. Hein. Pardon ? Le titre du film anglais, c'est « Le jour de la marmotte ». Exactement. Ah ouais, d'accord. Dans son duo de 73 avec Sylvie Vartan, enfin, c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le piège, ouais, des marmottes. Ça, ouais. Moi aussi, j'y serais tombé. Dans son duo donc, de 73 avec Sylvie Vartan, sa femme de l'époque, quel problème Johnny dit-il avoir? J'ai un problème, je veux divorcer, j'ai perdu mon alliance, je t'aime aussi, ou j'ai eu une aventure. Oh, j'en ai bien peur aussi. Oui, il l'aime aussi. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Alors pour l'anecdote, ils étaient, quand ils sont allés en studio pour chanter cette chanson avec « J'ai un problème, je crois bien que je t'aime, oh, j'ai un problème, je t'aime aussi », ils ont éclaté de rire chaque fois qu'il fallait enregistrer. Donc ils n'ont pas pu enregistrer la chanson ensemble. Ils ont dû, elle a chanté de son côté seule dans un studio, puis lui est venu chanter seul aussi, enfermé, et après ça a été un montage en fait pour qu'on ait ce duo. Et quand ils le chantaient à télé, après c'était en playback, mais ils ne l'ont jamais chanté en se regardant les yeux dans les yeux pour éviter le fou rire. Où se trouve la région de Kintyre chantée ici? Linda et Paul McCartney chantent cette chanson. Est-ce que Mull of Kintyre, enfin Kintyre, se trouve en Angleterre, en Irlande, en Écosse ou au Pays de Galles? Où se trouve Kintyre? Tout le monde part en Irlande, sauf Arlo, qui a déjà, lui, sa laine irlandaise, donc c'est pas la peine. Il va en Écosse pour les économies. Hein, c'est, oui, pour c'est, ça. Ça. C'est ça. C'est ça. En Écosse ou en Irlande? On dit l'Irlande. Et la bonne réponse? Alors, c'est l'Écosse. Eh oui, bien joué. Et pour la simple bonne raison, ils avaient une maison là-bas. Oui, c'est pour ça que le couple a chanté ce titre. D'après les paroles... Ça ne précisait pas où c'était. Dans les paroles de ce titre de Claude François... C'est comme ça que je t'aimais. Oui, c'est comme ça que l'on s'est aimé. Ils chantent en duo avec Kathleen, sa compagne de l'époque. Et où se sont-ils aimés, d'après les paroles de cette chanson? Dans un chalet des Alpes, un hôtel sur l'Atlantique, une garçonnière à Venise, un château de Touraine. Chalet des Alpes pour Daphné, l'hôtel sur l'Atlantique pour les autres. J'irai sur l'Atlantique. Et absolument, oui. De nuit d'orage fantastique. Après on s'arrête, ça devient trop osé, c'est trop osé, c'est trop osé. D'après les paroles de cette chanson de Stone et Chardin. Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais des Normandies. Comment
Comment sont les joues des filles qui donnent de l'amour, Made in Normandie? Et là, écrivez-le pour avoir les 5 points. Et donnez-moi la bonne réponse. Comment sont les joues des filles qui donnent de l'amour, Made in Normandie? Tout le monde est rose, comme Daphné, Laurent et Élise, rouge pour Arlo. J'aurais tendance à suivre Arlo. Oui, et vous avez bien raison, absolument bien. Carton pour Arlo, 16 points pour l'instant, un seul en tête. Carton. Dutron a fait ce duo avec Françoise Hardy. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir. Que crie le contrôleur dans cette chanson? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Il crie tourte pour... non, toutre. Tourte. Non, c'est quoi, aux légumes, ouais, c'est... Poireaux, vous faites, c'est quelle tourte? J'en sais rien. Je rêve de prendre un train avec un compteur qui fait tourte. Je rêve. Arrêtez-vous pour Daphné et pour Lise. Les filles disent arrêtez-vous. Et Laurent retrouve évidemment son métier. Il dit en voiture. Il y a la bonne réponse? Oui. En voiture? Eh oui. Le contrôleur crie en voiture. Parfois, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure. On ne saura jamais ce qu'elle jure. 5 points pour Daphné, 8 pour Lise, 12 pour Laurent, et Arlo est en tête. Plus ou moins 5 points, champion, qu'avez-vous pour... Alors, Daphné, pardon, et en plus, comme on est un peu ric-rac sur le chrono, ne peut pas rattraper Arlo, donc ça sera pour Lise, d'abord. Non, elle peut pas. Elle a 5 points, il en a 16. Ah, 5, excusez-moi, oui, non, j'étais... Non, mais reprenez votre sieste, vous embêtez pas. Je garde vous Lise. Ah, pour Lise. Pour Lise. Pour Lise, oui, celle qui veut aller voir un film avec moi. Oui, d'accord, voilà. Dans quelle langue un couple chante-t-il ça en 82? En italien? Mais oui, c'est en italien, absolument. Albano et Romina Power. Pour Laurent, s'il vous plaît. Merci. Laurent, d'après ce que chante le couple Amadou et Mariam en 2004, dans quelle ville les dimanches sont-ils toujours de mariage? C'est Pointe-à-Pitre. C'est... Je connais pas. Bamako? Ah, bah bon. Eh oui, Bamako. Bamako. Arlo, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Lise. D'après le titre d'une chanson de France Gall et Michel Berger en 92, que faut-il laisser passer? La chance. Aïe, les rêves. Les rêves. Et Lise est challenger! Arlo, justement, je vous souhaite de la chance et de la réussite dans votre entreprise. Laurent, en voiture. Et Daphné, à bientôt aussi. Revenez quand vous voudrez. Lise, voici votre cadeau avant la finale. Lise, vous gagnez un circuit en formule plein vent tout inclus pour découvrir les merveilles de la Turquie, d'Istanbul et de la Cappadoce. Plus de 80 séjours au circuit au départ de toute la France avec pleinventvoyage.com. À la maison, si vous voulez avoir la même cagnotte que le champion, dites-moi d'après ce que chante le couple Sheila et l'autre idiot en 73, où faut-il laisser les gondoles? 1 au garage, 2 à Venise. 32-43, 7 au téléphone, 7-10-20 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Fleuve du monde, au menu l'hiver, Lafayette ou à pile ou face? D'abord pour elle. Lafayette. Et pour vous? Les fleuves du monde. Très bien. Une finale qui ne se jouera pas à pile ou face, c'est juste après ça. Demain soir, le bonheur est dans le pré. Homme simple et sensible. Toutes mes condoléances. Votre chagrin va s'atténuer petit à petit. Le chagrin, ça, je vais m'en arranger. Non, c'est le boulot. Cherche femme travailleuse et aimante. Je vous trouve très... Très beau, ça, je sais. Bon, ah non, pas du tout. Pour idylle bucolique.
Je te paierai pour le travail que tu feras à la ferme. 500 euros par mois, ça va? C'est beaucoup. 200 euros, alors? Ah non, 500, c'est très bien. C'est... Je vous trouve très beau, d'Isabelle Mergault avec Michel Blanc. Demain soir à 20h50 sur France 2. Ce film est disponible en audio description. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Mérignac le 28 janvier, Laval les 2 et 3 février, Soissons les 17 et 18 février. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Are you ready? Yes, I am. Allons-y, futur prof d'anglais. En 1777, contre quel pays Lafayette part-il se battre aux côtés des insurgés américains? Cash, la Grande-Bretagne. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel était le titre de noblesse de Gilbert Mottier de Lafayette? Cash, marquis. Hervé calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel sculpteur français a réalisé la statue de Lafayette inaugurée à New York en 1876? Quel sculpteur français? Cash, Bartholdi. Lors de quelle guerre le colonel américain Stanton a-t-il le premier prononcé la fameuse phrase « Lafayette, nous voilà » ? C'était lors de quelle guerre? Cash, la guerre d'indépendance américaine. Quel est le nom de la société anti-esclavagiste à laquelle Lafayette a appartenu dès 1788 avec Mirabeau et Condorcet? Carré. La société des Amis des Noirs, la société des Noirs citoyens, la société de l'égalité des hommes ou la société abolitionniste? La société abolitionniste. Et enfin, en 1797, quel traité impose aux Autrichiens de libérer Lafayette grâce à une clause voulue par Bonaparte? Quel est le nom du traité qui impose cette libération? Carré. Le traité de Schönbrunn, le traité de Lunéville, le traité de Presbourg ou de Campo Formio? Schönbrunn, Lunéville, Presbourg, Campo Formio. Campo Formio. Qu'en dites-vous, champion? Bah, je dirais 18. En même temps, la manière dont elle a répondu, c'est impressionnant. Oui, hein. Oui, même moi, j'ai eu peur à un moment. En plus, à part une où il y a peut-être du bluff, mais d'accord, les autres sont, me semblent bonnes. D'accord. Quel fleuve d'Amérique du Sud-Est, par son débit, est le premier fleuve du monde? Quel fleuve d'Amérique du Sud-Est? Cache, du sud, pardon, quel, pardon, oui, je ne sais pas du sud-est parce que... Oui, il va de l'ouest. Pardon, pardon, non, pas du tout. Il va de l'ouest. Quel fleuve l'est. D'Amérique du Sud est, voilà, par son débit, le, c'est pas S, ouais. Et par son débit, le premier fleuve du monde. Cache, il va d'ouest en est et c'est l'Amazone. Exactement. 5 points. Selon Jean Gabin, dans un singe en hiver, de quelle couleur serait le fleuve issu du mélange du Yangtze-Kiang et du Wangho? Cache, vert. Parfait. 10 points. Quelle région antique doit son nom au fait d'être entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate? Cash, la Mésopotamie. Parfait. Mésos, voulant dire au milieu. Et Potamos, le fleuve, Potamos, la rivière. Fleuve, ouais. 15 points. Quel fleuve des États-Unis est surnommé Old Man River? Carré. Le Missouri, le Mississippi ou le Potomac? Non, c'est le Rio Grande. Ah non, non. Mississippi. Ah, Mississippi. Ah oui. Ah, bah oui. 15 points. Et il vous reste deux questions, vous qui visiez 18. Mais ouais, bon. Quel poisson de la famille des Cyprinidés est appelé Amour Blanc parce qu'il est originaire de la région du fleuve Amour? Quel poisson des Cyprinidés est appelé Amour Blanc parce qu'il vient du fleuve Amour? Carré. Le saumon, la carpe, l'esturgeon ou le brochet? La carpe. Oui. 18 points. Et enfin, quels sont les deux pays ayant un litige frontalier au sujet du fleuve Orange? Fleuve Orange? Carré, je ne connais pas ce fleuve. L'Afrique du Sud et le Lesotho, l'Afrique du Sud et la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud et le Botswana? Autrement dit, oui. L'Afrique du Sud et Lesotho, voilà. Namibie, Zimbabwe ou Botswana? Namibie? Oui. 21 points. Alors, il ne sait pas s'il est à l'abri ou pas. À votre avis, quel est votre score, vous, Lise? 10 sûr et le reste, je ne sais pas. 13, je suis presque sûr. 18, je le pense, mais j'en suis pas sûr.
Lafayette part se battre aux côtés des insurgés américains contre l'Angleterre. Bonne réponse, oui, 5. Il était marquis, Lafayette, oui, parfait. 10 à 21. C'est bien Auguste Bartholdi qui a inauguré sa statue en 1876. 15 à 21. Ce n'est pas la guerre de l'indépendance, mais la guerre de 14-18 où Stanton a prononcé la phrase « Lafayette, nous voilà », toujours 15 à 21. Ce n'est pas la société abolitionniste, mais des amis noirs. Oui, absolument. Avec Mirabeau, Condorcet et Lafayette, 15 à 21. Et c'est bien au traité de Campo Formio, absolument, que Lafayette a pu être libéré grâce à Napoléon Bonaparte. Joli parcours, en tout cas, félicitations Lise, et le champion reste un champion. 31 victoires, 31 200 euros. Passez une bonne journée, un bon appétit et à très vite. Ciao, ciao, ciao. Bien sûr. Mais il n'y a pas même des mots. Moment où. Ah non, non, là c'était juste. Non, là c'était la petite commission. Donc, ça... Non, mais. Je le dis souvent, j'ai jamais eu un pote, et je ne suis pas tout jeune, hein, j'ai jamais eu un pote qui, dans la vie, m'a dit hé, hey, j'ai aux toilettes, tu viens. Mais jamais. Ben jamais, oui. Jamais, non, c'est très oui. Bizarre. Oui, oui. Après, on peut faire connaissance, nous, parce qu'on a les, oui, les urinoirs. Donc on est côte à côte, on est rarement face à face. Hein, mais mais on est comme ça, on est un peu comme vous. Quoi. Voilà, pareil. On est un peu comme vous. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut se mettre à discuter avec l'autre. Mmh. Ça peut arriver. Voilà. Mais non, nous on rentre à deux, on aime bien. Vous rentrez à deux, vous papotez, vous machin. On papote, voilà. Donc là, vous rentrez à deux dans des toilettes. Ben, on va pour rentrer dans les toilettes et la dame qui sort nous tient la porte, donc on ne met pas deux pièces pour rentrer. On prend c'est des trottoirs. Oui, les toilettes. Oui, pardon, oui, voilà. Voilà, okay. Mais c'est des grandes toilettes à Saint-Tropez, hein. C'est pas les petites Sanizettes. Ah bah, c'est Saint-Tropez. Ah bah oui. Ah, c'est Saint-Tropez. Eh oui. Les toilettes en marbre avec les robinets en or. Non, quand même pas. Ah bon. Donc on rentre, on ferme la porte. Moi, donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Mon ami attend et mon ami à son tour fait. Et au moment où mon ami commence à faire la petite commission, je sens des jets d'eau qui sortent de partout. Vous, oui. Elle avait très envie ou Ben, elle pouvait plus se retenir. C'était parti, c'était d'accord. Parti. Non, mais les jets d'eau, c'était pas elle. Non. Ah bon, d'accord. Je comprenais plus ce qui se passait dans la scène. En fait, vous aviez changé le cycle de la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme. Et ben, voilà, le fait de ne pas avoir remis deux pièces, ouais. Le lavage s'est fait quand on était dedans. 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 Léger en haut, léger en bas, de partout, de partout. Ah, ben ça, c'est les toilettes japonais qui font ça léger en bas. Et ah, ben il y avait en bas aussi, non, mais pas en bas comme oui, ça. En bas comme ça. Au moins, vous pouvez vous dire, ça fonctionne, il nettoie, il désinfecte entre chaque client. Voilà. Ouais. Alors, donc, vite, vite, on se dépêche, on veut pour ressortir, la lumière s'éteint, on se retrouve dans le noir complet. Mais vous n'étiez pas deux. Mais si, on était deux, mais dans le noir complet, toutes les deux. Si, on était deux. Je croyais que vous l'attendiez dehors. Ah non, à l'intérieur, on était rentrés toutes les deux dedans. On se tient compagnie à l'intérieur, pas dedans. Et oui. Non, non, je m'étais... Non. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Oui. C'est pas possible. Mais pourquoi vous l'avez pas entendu dehors? Mais parce que c'était grand, on voulait rentrer à deux. Au moins, on s'est dit, ça va plus vite, on se dépêche et tout. Non, mais oui, si on est rentré à deux. On s'est tourné quand même. Mais pendant qu'une était assise, l'hôtel s'est tourné quand même. Oh, bah, super pratique, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on veut quand même sortir de ces toilettes. Les filles, vous avez une vie bizarre, hein, je vous le dis. Hein. Laurent, vous êtes déjà allé dans des toilettes avec un... Jamais. Jamais. Même avec une femme non plus, hein. Jamais. Je me tais, ok. Alors, aux Jeux Olympiques, combien de sports se disputent avec une raquette? Cache. Deux. Lesquels? J'aurais dit badminton et le tennis. Et le tennis de table? Il y en a trois, donc. Qui chante en 1980?
Carré, Nagui. Bob Marley, James Brown, Lionel Richie ou Stevie Wonder? Stevie Wonder. Vous pouvez aller aux toilettes avec lui, par exemple. Oui, absolument. Monsieur Serge est là, comment ça va? Vous avez monté votre boîte, oui. Vous avez changé de carrière, vous avez trouvé un autre métier. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle? Mais il y a 10 ans, je ne voulais plus de patron. Et donc j'ai dit... Vous étiez dans quel domaine? Je travaillais dans multidomaine. Hein, j'ai fait... Multidomaine? Oui, j'ai fait tous les métiers du monde. Mais quoi, bâtiment? J'ai fait de tout, de la peinture, du bâtiment, des assurances, j'ai fait, je sais plus tellement j'en ai fait, serveur dans des bars. Hervé, il a 30 victoires, mais c'est un truc de dingue. Ça va, Hervé? Ça va très bien. 30 victoires, 29 400 euros. C'est pas mal. Vous êtes parti pour battre des records de participation et de présence, puisque encore 120 victoires. Ouais, et... bah, c'est prévu, hein. Et vous en aurez 150, c'est beau, non? C'est prévu. Vous avez gagné hier un séjour pour deux sur l'île de la Réunion. Ouais. C'est pas mal. Oh, les jalouses. Ouais. Oh, les jalouses. Et il va tirer au sort celle qui va l'accompagner dans quelques instants. Ouais. Ça serait drôle, non, le tombola comme ça. Amusant. Ah, vous expliquez, vous rentrez, vous dites à Dominique, non, mais je t'assure. C'est ça, voilà. Tu sais, c'est la télé, tu sais ce que c'est, ils m'ont obligé. Ils m'ont obligé à partir avec une très jolie fille, voilà. Ouais. C'est pas grave. Vous voulez ma mort, vous? Oui, il y a une dame qui dit pourquoi très jolie. Ouais, très bien. Bravo. Le tirage au sort n'aura pas lieu. Alors, ouais, okay. C'est annulé. On annule tout. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Daphné. Laurent. Emmanuel. Serge. Lise. Soyez la bienvenue. Merci. Daphné, vous êtes professeur. Oui, professeur d'anglais. Et que d'anglais? C'est ça. On ne rajoute pas une matière en plus quelque part dans des noms, il n'y a pas de petits... Non, pas pour l'instant, non. Non, que l'anglais. Que l'anglais. Ouais, d'accord. Que l'anglais. L'anglais parlé, l'anglais écrit, l'anglais... Voilà. L'argot aussi est présent ou pas? Un petit peu. On le fait un petit peu en quatrième, on essaie de commencer. C'est vrai? Ouais. Jouer avec les I wanna après, à la exemple, place de I want to, exactement, c'est ça? Exactement, on voit les formes abrégées et puis le vocabulaire familier de tous les jours. Le quotidien. C'est ça. D'accord. Vous étiez bonne, vous, en anglais? J'étais assez bonne, oui. J'avais commencé par l'allemand et en fait... Je prêche Deutsch auch. Je prêche Deutsch auch, alors que c'est une langue très compliquée, l'allemand. C'est ça. Et puis je me suis dit qu'il y aurait peut-être moins de débouchés qu'en anglais, donc j'ai changé. Il n'y a que l'Allemagne et l'Autriche, parce que même en Suisse, ils ne veulent pas parler exactement le même allemand. Vous voyagez où? Alors vous allez quoi? Plutôt en Angleterre, aux États-Unis, oui, en Australie? Oui, alors Londres, très très souvent, voilà. Et puis pour mon voyage de noces, on est parti à New York. Bien. Et puis ensuite, vous êtes marié avec un anglais? Non, pas du tout. Avec un prof d'anglais? Non plus. Avec un américain? Avec un musicien qui chante en anglais? Qui est prof de musique. Et qui chante en anglais? Et qui chante en anglais. On s'est retrouvés à chanter en anglais d'ailleurs à New York. Ouais, vous le corrigez de temps en temps ou pas? Oui, il aime pas trop ça d'ailleurs. Oui, donc vous le faites, c'est ça. Donc vous le faites. Et il chante quoi? C'est quel genre de musique lui? Alors, il chante de tout, mais là en l'occurrence, quand on était à New York, on s'est retrouvés. À aller dans un club de jazz, voilà, on a visité tout New York, les musées, tout ça, et on s'est dit que l'étape obligée, c'était aussi d'aller dans un club de jazz. Et, ouais, et le chanteur donc, a commencé à faire son show et tout, et puis au bout d'un moment, il a dit « j'aurais besoin de volontaires pour venir chanter sur scène ». Et donc, on a dit « non, non, non oh, ». Les boulets, les Français en vacances, hein. Les boulets. Non, c'était votre première fois à New York pour ce voyage de noces? Oui, tout à fait. Et donc, vous avez fait un vœu?
Oui, alors ça c'était au Québec. En fait, on a fait une semaine à New York et 15 jours au Québec. À New York, vous avez fait un vœu ou pas? Non, c'est pas à New York qu'on a fait un vœu. C'est. Mais ça, je m'en fous. Quand on fait une première fois, non, mais quand on fait un truc pour la première fois. On fait toujours un vœu, je sais pas, quand c'est la première fois qu'on rentre dans un endroit. La première fois que vous êtes monté à Tour Eiffel, peut-être que vous avez fait un vœu. Non. Non. Moi, je sais, toutes les premières fois, je fais un vœu. Là, d'accord. Je fais un vœu, c'est la première fois que je vous parle. C'est des vœux. Hey, il y en a bien un sur mille qui va passer. C'est vrai. Bon, alors vous n'avez pas de vœux. Je fais Alors, une question, quand on fait autant de boulot, oui. Est-ce qu'on les fait tous bien? Parce que finalement, on a une expérience professionnelle dans chaque domaine et on apprend, par exemple, la politesse, le service, quand on est en relation avec une clientèle, et ça sert quand ensuite on fait de la peinture à faire des devis ou à vendre son savoir-faire. Est-ce que ça aide ou au contraire, on finit par se mélanger un tout petit peu les pinceaux quand on est peintre et elle était pas là, la vanne. Attends, d'accord. En fait, tous les métiers servent à quelque chose. Et celui qui m'a servi le plus, c'est de taper aux portes à l'époque pour vendre des assurances. D'oser aller vers le client. Et pouvoir vous parler aujourd'hui. Sinon, j'aurais pas pu il y a quelques années. Vous étiez trop timide. Trop timide. Oh, choupinou. Si, c'est vrai. Moi aussi, un gros garçon. Oui. Ça, j'aime. Moi, un gros garçon. C'était un gros timide. C'est vrai? Ouais. Je me suis soigné, oui. Maintenant, vous êtes moins timide. Beaucoup moins. Vous voulez qu'on aille aux toilettes? Non, j'ai pas envie d'être sainte. Et alors là, vous avez monté une boîte de quoi alors? Et là, je fais tout ce qui est antenne, interphone. Antenne, donc, tout ce qui est voilà. Donc, mais là, pour la télé? Voilà. Donc, si vous êtes connu, c'est grâce à moi. Quelque part. Ah oui. Je l'avais mise en réserve celle-là. Alors, Gustave Eiffel a beaucoup fait pour l'émetteur de la Tour Eiffel quand même, hein, parce que sans lui, on pourrait pas émettre. Mais c'est mais, ça. Oui. Vous captez les images c'est ça. Par je mets les antennes sur les toits TNT, des maisons. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et pardon, quel rapport avec l'interphone parce que et les interphones, télé... ça fait partie du courant faible, donc je mets des interphones aussi. Voilà. D'accord. Des alarmes aussi? Non. Non, pas d'alarme. Et pourquoi? Et parce qu'on vous appelait jour et nuit, pour ça marche pas, parce qu'il y a le vent qui l'a déclenché, etc. Ça m'a jamais intéressé. Ah, vous voulez dormir, vous, en fait? Moi, je veux la paix. Cherchez pas des questions. Je veux la paix, voilà. Je veux la paix. Voilà. Quelle série de bande dessinée raconte les aventures du caporal Blutch et du sergent Chesterfield? Blutch et Chesterfield, dans quelle série? Carré. Les passagers du vent, McCoy, les tuniques bleues ou Blueberry? Blueberry. Tuniques bleues. C'est pas grave. Quel guitariste gitan disparu en 2014 portait un nom signifiant littéralement « petite main d'argent »? Cash. Manita de plata. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Donc tout le monde n'a pas de sang gitan, hein, on est d'accord. Au niveau du tempo dans la salle, Lise est là, ça va la belle? Comme Emmanuel, vous portez un prénom aussi qui a sa part d'érotisme au cinéma. En fait, j'ai vu des films avec tous les prénoms de filles. C'est pour ça que je... Ok, d'accord. Donc, c'est pas... On regarde pas les mêmes films, peut-être. Vous regardez quoi comme film, vous? Bah, pas de films de boules, comme vous dites. Et les films avec des parties de pétanque, la partie mais avec, oui, avec la, les pagnoles, tout ça, c'est vachement bien, non? Mais oui. Mais non. Mais quel est le dernier film que vous avez vu? Juste pour voir si je l'ai vu. Les Inconnus, le retour. Mais quand il est passé à la télé, le 3, les Inconnus, le 3. Les trois frères, pardon. Je m'en mourrais. Les Inconnus, les 3, le retour des frères à la télé. Ok. Vous avez compris? J'ai compris, je l'ai vu aussi, oui. Ouais, c'est bah le voilà. Film le plus récent que vous ayez vu. Bah, vous le êtes, dernier en date, en fait, pendant les vacances, je l'ai vu quand il est passé sur une chaîne okay, privée. Ok, alors pardon, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma. Ah pardon. Non. La démarche, j'allais dans une salle, de regarder, comme disait Godard, de lever la tête pour voir l'image et pas de baisser, parce qu'il dit, la télé, on baisse les yeux pour regarder la télé, alors que au cinéma, on lève la tête, ça grandit. Ça fait un petit moment, je pourrais vous pas. Vous n'êtes pas allé au cinéma? Ouais. Personne ne vous invite au cinéma? Et non. Non? J'aimerais bien qu'on y aille ensemble. C'est vrai? Vous faites quoi après? Mais... Vous avez dit qu'on ne regardait pas les mêmes films. Je peux faire un effort, hein. C'est surtout moi qui vais suivre vos conseils.
Non, mais il y a plein de films qui sont intéressants. Les Souvenirs, par exemple, le film de Jean-Paul Rouve avec Michel Blanc, c'est un très beau film qui sort là, vous ne l'avez pas vu? Non. C'est l'adaptation du roman de David Fuenquinos. Alors, le dernier livre que vous ayez lu? Le dernier livre que j'ai lu, bah, c'est un livre en anglais. Fatigue après une semaine de festival. Ce qu'on m'accorde, donc on passe tous les deux. Jean, avec... ça t'embête pas si ma femme et les enfants viennent parce qu'on va faire un petit tour à Paris. Hein? Absolument. On va prendre la caravane, on va la mettre au cul de la voiture, hein, ça sera plus sympa. Mais... Et là, bon, évidemment, votre grand-mère a voulu participer aussi, je comprends. Pendant tout le voyage, elle a pris des photos de Jean Rochefort qui mangeait son sandwich à l'arrière de la voiture. Non, à partir du moment où j'ai posé la question à Jean Rochefort qui a tout de suite accepté. Donc, il a accepté sur présentation de photos de votre femme ou Elle était avec moi. Elle était avec moi quand je lui ai posé la question. D'accord. Et donc, nous voilà partis en route pour Paris. On le dépose à son petit entretien avec Alain Chabat et il nous dit, bon, ben, laissez-moi là, je repartirai par mes propres moyens. J'ai dit, non, pas du tout. Moi, je suis là pour vous reconduire chez vous. Ah oui, on va vivre ensemble maintenant. Je reste avec vous. Hein. Ah, je suis chauffeur à vie, moi. Ah non, papa, on part pas, monsieur Jean Rochefort, là. Vous croyez pas si bien dit. Je vais attendre le festival de Cannes au mois de mai et je vous descendrai Paris-Cannes, 9h en bagnole. Et donc, après son rendez-vous avec Alain Chabat, on le reprend et on part pour sa résidence dans le sud de Paris. Dans, non, non, dans mais une forêt. Pas l'adresse, bon, j'aurais eu. Non, bien sûr, je ne saurais même plus vous la donner, je ne me rappelle plus. Évidemment, c'est où? Dans une forêt. Respectons. Voilà. Et il nous dit, ben donc, je vais téléphoner à mon épouse pour nous préparer un repas pour vous et moi. Donc on est arrivé. Ça m'énerve, moi, les vedettes qui sont classes comme ça. Ah, franchement. Ça m'énerve. C'est un monsieur charmant. Ça m'énerve, parce que moi, le prochain Belge qui va me raccompagner, je vais être obligé de l'inviter aussi. Mais c'est ça, ça m'énerve, ça met une pression de gentillesse. Et donc, un monsieur charmant, vraiment, un rire communicatif, vraiment comme on le voit à la télévision. Il est vraiment pareil. Oui, mais il est élégant, soit, il est classe. Ouais. Vraiment très élégant. Ouais. Et on est arrivé chez lui, sa femme nous a accueillis. Adorable. On a dîné sur la terrasse avec lui et sa femme. En plein mois de janvier. Non, c'était au mois de septembre. Donc, il nous a fait visiter sa propriété, ses écuries, avec tous ses chevaux. Et on a passé une après-midi avec lui et sa femme en nous racontant des anecdotes. Il ne vous a même pas demandé de débarrasser la table, de faire la vaisselle ou un truc comme ça? Non. Il nous a même proposé de dormir là. Quoi? Oui, tout à fait. Il nous a dit on a une chambre, notre tour. Jean Rochefort est échangiste. Voilà. Sur quelle île le volcan nommé Etna est-il situé? L'Etna cache la Sicile. Très bien. 1969, quel café-théâtre Coluche a-t-il créé avec entre autres Patek Devers ou Miu Miu encore? Et Romain Bouteille et autres. Je vous ai demandé un carré. Le café de la gare, le point virgule, le splendide ou les blancs manteaux? Le point virgule. Ah non, c'est pas loin, c'est le café de la gare, ouais. C'est pas loin. Et Emmanuel, ça vient. Alors, ça parle pas à une grande partie des plus jeunes en tout cas, mais Emmanuel, ça a été un prénom qui n'a pas dû être simple à porter pour une aussi jolie fille comme vous. Surtout lorsque vous baladez dans la rue et que vous voyez votre prénom écrit sur les affiches. Oui, mais bon, ça doit faire bizarre, parce que moi, j'ai pas encore vu un film de boule avec Nagui, donc je sais pas comment... Non, si, c'est flatteur. Non, ça va être étrange, non? Oui, c'est étrange, mais bon, j'ai tellement l'habitude que non, c'est flatteur. C'est flatteur, oui. C'est-à-dire que votre prénom soit assimilé à quelque chose de sensuel, d'érotique. Oui. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Dès que je dis mon prénom, effectivement, c'est ça. Oui, enfin, votre prénom, on vous l'a donné avant que le film... C'est pas suite au film. Non, on me l'a donné avant. Parce qu'encore une fois, vous étiez, je dis, gamine, toute oui, jeunette. Oui, tout à fait. Mais mineure même quand c'est sorti. Oui, quand même. Merci. Voilà. Mais non, mais je vous en prie. Je me rendais bien compte que là, j'étais de moins en moins élégant. Vous vous êtes retrouvée à Saint-Tropez. Oui, avec une amie. En vacances ou... Non, puisque j'habite Draguignan, je ne suis pas très loin. Ouais, donc, c'est une virée alors. Tout à fait, on est allé se promener, puis une envie pressante nous prend. Donc et souvent, les filles, elles y vont à deux. Eh oui, effectivement. Expliquez-moi pourquoi les filles vont à deux aux toilettes. Bah, on aime bien se tenir compagnie.
Oui, mais ça vous gêne pas pour parler, par exemple? Non, non, pas du tout. On continue le fil de la conversation. C'est à New York, mais... Mais à Québec, par contre, oui. En fait, il y a un très beau château à Québec qui s'appelle le château de Frontenac. Frontenac, oui. Voilà, c'est ça. Mais qui est un hôtel. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, donc on l'a visité lors de notre voyage de noces. Et il y a un grand escalier, en fait, où il est de tradition de descendre... Il y a un escalier dans l'hôtel, ouais. C'est dingue, hein. Wow. Ouais. Nous aussi, ça nous a surpris. Et du coup, comme c'était la première fois que je voyais un escalier dans un château, je me suis dit, faisons un vœu. Coquille. Et du coup, en fait, donc la tradition est que les hommes descendent d'un côté et les femmes de l'autre, en faisant un vœu, justement. Et donc moi j'ai fait un vœu. C'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Ah, parce que j'ai dit, ils m'ont absolument pas fait ce coup-là. Quand on a fait la visite guidée, en fait, on nous a expliqué que la tradition c'était ça. Et donc mon vœu c'était la prochaine fois. J'aurais dû prendre, mais c'était plus cher la visite guidée en même temps. J'aurais dû prendre ça. Ouais. Et alors donc vous avez fait votre vœu. Ouais. Et du coup mon vœu c'était la prochaine fois que je reviendrai sur le continent américain, j'aimerais qu'on soit 3 et plus 2. Et j'étais enceinte de ma fille quand on est retourné en Amérique. Ah, je croyais que vous veniez avec un amant. Je comprenais rien. Et ça a fonctionné. Très bien. Quel nom de fromage donne-t-on familièrement à un graphique rond divisé en secteurs? Un graphique rond divisé en secteurs, on lui donne un nom de fromage, lequel? Cache. Un camembert. Eh oui. En 66. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ça tombe bien après le voyage de noces, avouez. La non-demande en mariage, par qui est-elle faite? Je ne voudrais pas me tromper, je vais demander Carré, s'il vous plaît. Jacques Brel, Jean Ferrat, Georges Brassens, Léo Ferré. Brassens. Mais oui, Monsieur Brassens. Laurent, comment ça va? Ça va, oui. Soyez bienvenus, très bien, merci. Vous avez déjà observé notre champion un tout petit peu, il vous inquiète ou pas? Un petit peu, quand même. Un petit peu. Bah, il fait peur, quand même. Oh, au niveau de ses connaissances. Non, hein. Non mais s'il vous fait peur, c'est que vous vous sentez inférieur à lui. Bah. Non, mais vous voyez, quand on est supérieur, on n'a pas peur. Oui, tout à fait. Vous avez peur d'une fourmi? Non. Bah voilà. Vous avez peur de Godzilla? Oui. Voilà. Voilà. Donc le champion vous fait peur. Parce que vous dites je vais vous dire non. Ah, non, mais cherchez pas d'avis. Si, au niveau de ses connaissances, il fait quand même. Ah, seulement au niveau de ses connaissances. Je ne le connais pas assez personnellement que pour dire s'il me fait peur ou pas. Mais en tout cas, il vous est supérieur. Comme ça, physiquement, non, on ne fait pas peur. Non, mais il vous est supérieur. Ah bon? Eh oui, parce que dans la vie, vous êtes sous-chef de gare. Eh voilà, sous-chef de gare, alors que vous étiez chef de gare. Déjà, il y a... Il y a ça, quoi, hein. Eh oui. Il y a ça. Mais on moi, je suis sous-animateur. Dès que je vois un animateur, je suis super impressionné, vous voyez. Super impressionné. Mais on travaille pour... pour être chef. Ah, moi, je travaille pour être animateur. Bien sûr. Ben, vous y arrivez. Je suis toujours en stage, là, d'ailleurs. Ça commence à être un peu long. Elle est où, votre gare? À Namur, en Belgique. Il y a des trains en Belgique aussi. Et ils sont tout aussi en retard qu'en France. Ah oui, c'est les mêmes, en fait. Vous avez croisé Jean Rochefort. C'était dans une gare, justement? Non. J'étais, en fait, chauffeur au Festival du film de Namur. Festival du film international. D'accord. Et une petite pige à côté du boulot, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour un hobby. J'adore le cinéma, donc. Et en fait, à la fin du festival, on nous demande aux chauffeurs de reconduire les vedettes à la gare, à l'aéroport ou éventuellement chez eux. Et donc moi, en fin de festival, on me demande de reconduire Jean Rochefort chez lui. Il habite à Namur? Non, il habite Paris. Mais on fait la route. Namur-Paris? Oui, Namur-Paris, Namur n'importe où, à partir du moment où la demande de la vedette est comme ça. Si vous aviez Bruce Willis et le mec qui habite à Los Angeles, vous n'allez pas dire « Allez, Namur-Los Angeles en voiture, il n'y a pas de problème. » Il y a un moment où il y a des limites. Hein. Non, ce qui est... avec tout le respect que je dois à votre conduite, bien sûr, c'est au sous-chef de gare que je m'adresse, le train est plus sécur et... Oui, mais bon, certaines vedettes d'un certain standing, on préfère mettre une voiture plus confortable que le déposer... Pour pas qu'ils fassent embêter dans le train et tout exactement. Ça exactement. D'accord, exactement. Je sais pas. Et donc on me demande de reconduire M. Jean Rochefort d'abord à Paris. Il devait en fait faire un travail sur le film d'Alain Chabat, le film R, dans lequel il jouait. Et ensuite, tout d'abord, comme c'était la fin du festival, je demande pour pouvoir prendre ma compagne avec moi, vu la fin.